cette nouvelle capsule de 3 minutes pour changer de vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire le secret de comment les gens peuvent vraiment vous aimer, vous adorer, vous respecter. Et je l'ai appris à mes dépens, mais je l'ai aussi vu récemment dans une vidéo que j'ai envie de partager avec vous. C'est un monsieur très connu en Égypte qui a fait ses preuves dans la médecine, mais aussi bien aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et dans l'espace où il travaillait, c'était à Londres, il y avait un médecin qui était aimé par tout le monde, mais vraiment par tout le monde. Il ne comprenait pas. Un jour, il est allé le voir en lui disant, mais écoute, après il dit, non, j'ai pas osé, je ne vais pas aller le voir, ce n'est pas grave, je vais l'observer de loin. Et puis, il l'observe de loin jusqu'au moment où il avait une conférence à l'étranger, ce monsieur égyptien. Il se dit, il faut absolument que j'y aille. Je vais aller quand même demander à ce médecin, c'était un médecin indien, je vais aller lui demander s'il peut me remplacer. Donc, il va aller le voir et puis voilà, bonjour, on travaille depuis le service, on n'a jamais eu l'occasion de se présenter, etc. Mais voilà, j'ai un petit service à vous demander. J'ai une conférence aux États-Unis, mais je suis de garde ce week-end. Est-ce que vous pouvez, on interchange un petit peu nos gardes, vous prenez ce week-end et moi, je vous prends le prochain. Et il fait, ah oui, pas de problème, avec plaisir. Et vous savez quoi, je vous prends ce week-end et si réellement vous êtes occupé, je vous prends même le week-end prochain. Et là, le médecin égyptien, il fait, je comprends mieux maintenant pourquoi les gens, ils l'aiment. Mais en fait, parce que les gardes, on vous paye double. Il a dit, ok, je vais le payer double. Et en fait, c'est ça qui l'intéresse. Et donc, le médecin égyptien sort son chéquier, commence à remplir son chèque pour le payer doublement parce que c'est ce qu'il aurait touché. Et lui fait, mais qu'est-ce que tu fais? Ben rien, je te règle quand même les deux week-ends de garde que tu vas prendre pour moi. Il n'est pas nécessaire que moi, je sois payée et que toi, tu ne le sois pas alors que c'est toi qui... Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Mais moi, je le fais avec plaisir. Il fait, ah, je comprends mieux maintenant pourquoi les gens t'aiment. Il fait, ah bon, qu'est-ce que tu as compris? Il me dit rien. Partout où je vais, dans cet hôpital, les gens ne jurent que par toi, n'aiment que toi et ils t'admirent et t'estiment. Il me dit, est-ce que tu crois que parce que je t'ai rendu... service par rapport à ce week-end de garde. Il fait, ben oui, je pense que c'est ça. Il fait, ah non, 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 non. Laisse-moi te raconter comment ça s'est passé réellement. Pourquoi les gens m'aiment. Il dit, quand j'étais petit, j'étais en Inde. Un jour, ma mère m'a emmené dans la nature et on a gravi une montagne. Et quand on est arrivé au sommet de la montagne, sa maman lui dit, baby, say I love you. Alors le petit gamin, tout petit, regarde sa mère, oh yes, I can do that, okay, I'm gonna do that, I love you. Et là, il y a l'écho qui répond, I love you. Mom, did you get that? Someone is answering me. Maman, t'as vu, il y a quelqu'un qui me répond. I say, wait, it's gonna be more interesting, wait, attends, tu vas voir, ça sera plus intéressant. Elle dit maintenant, tiens-toi droit et dis, I hate you. Et là, il se met debout et il dit, I hate you. Et il entend le retour de voix, I hate you. Et là, il a eu très, très peur et il s'est caché derrière sa maman. Il dit, maman, c'est une montagne, je l'aime pas cette montagne. Il y a vraiment quelqu'un qui me répond, il y a vraiment quelqu'un qui me dit, je t'aime, il y a quelqu'un qui me dit, je te déteste. Et lui dit, oui, c'est vrai. Et tu sais, c'est qui te répond? Il fait, ben non, je sais pas, mais viens, on va partir, moi, j'ai trop peur, là, j'ai pas envie de rester, j'ai trop peur. Mais non, je suis là, t'inquiète pas, rien ne va t'arriver, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Tu sais qui c'est qui te répond? C'est toutes les personnes que tu vas rencontrer, c'est tous les gens que tu vas croiser dans ta vie. Quand tu déclares « I love you » en parlant de toi, quand tu te regardes dans un miroir et tu fais « Hey Nahed, I love you », c'est la terre entière qui répond « I love you Nahed ». Et il a dit, tu sais, ce jour-là, j'ai compris que la manière avec laquelle je me traitais, c'est exactement la manière avec laquelle les gens vont me traiter. Et je l'ai compris, j'avais 6 ans quand j'étais au sommet de la montagne avec ma mère. Et j'ai compris qu'à partir de ce jour-là, si je veux être aimée, je dois m'aimer moi d'abord. Et si un jour je me déteste, c'est l'humanité entière qui va me détester. Ce jour-là, en descendant de la montagne, quelque chose avait changé. Du haut de mes 3 pommes, parce que j'étais pas très grand, j'avais décidé de m'aimer aussi profondément, aussi longtemps que je vivrais. Et c'est exactement ce que l'univers me ramène tous les jours. Si
toutes les personnes autour de moi-même, c'est parce que j'ai commencé par m'aimer moi-même et je les aime en retour et c'est exactement ce que je reçois. En réalité, c'est pas ce qu'on fait. We are taker, not a giver. On est là pour prendre le temps, prendre l'argent, prendre l'écoute, prendre l'attention, prendre des cadeaux, prendre. Mais quand il s'agit de donner, c'est ah, j'ai pas le temps, je suis occupée, j'ai mal à la tête, je suis engagée sur autre chose. Ça peut pas marcher comme ça. Et c'est pareil, on est dans je me déteste, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas mon corps, j'aime pas mes jambes, j'aime pas la manière avec laquelle je m'exprime, j'aime pas mon ventre, j'aime pas. Et on s'étonne pourquoi les gens ne nous aiment pas. Vous voulez que ça change? Deux choses à faire. Un, soyez fiers de vous. Deux, aimez-vous et c'est la terre entière qui va vous le rendre. C'était notre capsule du mardi. J'espère qu'elle vous aura été bénéfique. Pour moi, ça l'a été. Depuis que je m'aime, alhamdoulilah, je reçois énormément d'amour en retour et j'ai aussi décidé de beaucoup, 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 beaucoup aimer l'autre parce que sinon, on finit notre vie seule. C'était la capsule du mardi, Nahid Rached depuis Casablanca. Hada huwa, Allah yahfidkoum.